Ça fait 2 mois que je fais partie de cette bande. Il est encore en rodage. C'est la deuxième fois qu'on vient en fait. Moi, c'est ma première. C'est vrai. Ça va ? Mais ouais. Moi, je bien accueilli. Que ce soit les festivaliers, les bénévoles, tout le monde fait un boulot d'enfer. On est super bien accueillis. Les artistes sont bien aussi. On a eu la chance en plus de jouer avec Norbert Krief qui a eu des critiques dithyrambiques sur notre formation. Chaleureux comme on les aime. À partir du moment où de toute façon on leur donne de l'énergie positive, ils ne peuvent que nous renvoyer de l'énergie positive. Il y a un temps de parole limité, t'es en train de briller tout le temps. Ah, je m'excuse. Et non, le truc qui est terrible, c'est que Antisocial, c'est le seul morceau en français qu'on a dans tout le répertoire. On a que des morceaux rock pur et dur, pour nous c'est l'hymne et c'est le morceau qui marche le plus. Partout où on joue, c'est le morceau qui cartonne le plus. Donc qu'ils viennent avec nous là-dessus, pour nous c'est. Voilà, c'est un hymne cette chanson, c'est la plus rock de toutes, c'est la seule en français. Voilà. Rassuré sur une chose, c'est que malgré le diktat des maisons de disques et des radios, les gens aiment encore le rock'n'roll. Et c'est kiffant. La chose la plus importante à dire, c'est qu'on a un album. Voilà. www.fanfarockbox.com.
www.antisocial.fr. Voilà. Il faut qu'on en vende encore 4700. C'est 10 euros, il n'y a pas de réduction pour les demandeurs. Si vous voulez, j'ai 1800 albums dans mon salon. Si on pouvait libérer mon salon, ça m'arrange. Pas de réduction pour les militaires. L'image que vous allez garder de l'Aveyron, c'est laquelle? La Ligo. La saucisse. La Ligo. Oui, ouais. La Ligo. La cabrette. Ouais. Il n'y a pas de cabrette en Aveyron. Le côté ouais. Brut, sauvage. On vous aurait menti. Non, mais c'est vrai. C'est des 7 degrés au mois d'août. Ça, c'est souvent. Ah ouais, ça ouais. Les 7 degrés au mois d'août, les bûcherons. L'image de l'Aveyron. Le braque, les vaches au braque, c'est bon. Ouais. Alors, on y mange très bien, on y vit très bien. Ah non, mais voilà, le veau du Ségala. Non, parce que lui, il vit dans l'Aveyron quand même. Ouais, faut pas le dire, il y a un Aveyronnais dans le lot. Bah, personne n'est parti. Et l'Aveyronnais de où alors? De l'Aveyron. C'est pour ça, ce sont américains. Vous voyez aussi, ce sont de Paris. Ils sont tous dans le sud, il n'y a que moi qui viens. Ah oui, oui, ah ouais, alors il faut en parler, il vient de Saint-Étienne. Les poteaux carrés. Voilà. Et il en est fier. Pas de commentaires, ça nous fait tous rire, mais bon, c'est comme ça. On est tous musiciens. Encore une demi-heure, on est sur le plateau. Ouais, et donc en fait, on faisait jouer dans différents projets. Et un jour, il a dit tiens, si on prenait des tambours, des shorts et sur du rock, c'est vrai en plus, hein. C'est vraiment ça qui s'est passé. Il n'a jamais été très malin non plus. Et du coup, on a dit ouais. Et du coup, on l'a fait. Et puis après, on a dit tiens, si on appelait Richard, et on l'appelait. Non, c'est pas, ça s'est pas passé comme ça. Ouais, entre temps, on a appelé d'accord. D'autres. Ouais. Mais comme il se fait trop cher, bon, on a pas libre. Richard. On a eu Richard. C'est pas le meilleur. Il leur fallait un chanteur. Il leur fallait un chanteur qui ronflait. Le meilleur rapport qualité-prix, quoi, en gros. Ouais. Non, mais je crois que je vais y aller. Rapport moi. Je crois que je vais y aller. Je vais retourner avec Annie Cordy. Sérieusement, on joue en Aveyron. 25 août, on joue en Aveyron. Ah bon? Oui. À 10 km d'ici. À Mouirazès. Exactement. Oui, bravo.